Qu'est-ce donc ? Cette puanteur, je la connais bien. Nous la connaissons aussi bien l'un que l'autre, mon cher capitaine. Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Shifumi, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de la saison 2 de Halo. Donc on n'a toujours pas éliminé le chef hérétique. Et donc du coup, on l'a cherché jusqu'à cette partie de la station. Mais j'ai l'impression que ça va mal tourner. Et surtout, regardez avec qui on est! Et oui, on est avec le capitaine! Allez, c'est parti! C'est quoi ça? Ah! Je la sens mal. Je la sens vraiment mal. Tiens, donne-moi ça, toi. Ah, je crois savoir ce que c'est. Et je pense que vous aussi, vous avez compris. Fermez-la ou c'est moi qui vous fais taire. J'allais le dire. C'est quoi ça? Là, hérétique! Cessez-le-feu! Cessez-le-feu! Je me demandais qui les prophètes enverraient pour me tuer. Un orbiteur. Je suis flatté. Il utilise un holodrone. Il doit être près d'ici. Sortez, qu'on puisse vous tuer. Chacun son tour. Qu'est-ce que c'est donc? Tenez bon. Le parasite est sur nous. Ah, génial, le parasite. Voilà, hop. Alors, nouvelle méthode pour pouvoir tuer les parasites. Maintenant, vous avez l'épée d'énergie qui les one-shot. Oula, c'est quoi ça? Le problème, c'est qu'on voit rien. Et c'est chiant. Ça, c'est bon. Encore des parasites là-haut. Je me demande surtout si en fait c'était réellement eux ou en tout cas s'ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Très bien. Allez les gars. Putain, c'est bien, j'ai réussi à avoir mes 4 alliés. J'adore. Allez, on y va. Alors, l'épée d'énergie, c'est l'arme la plus efficace contre le... Donc, nous disions... donc, cette arme, c'est la meilleure arme contre le parasite. Mais sinon, vous avez la carabine Covenant qui fonctionne très très bien. Que non, normalement vous savez, là où il faut viser la tête pour un semi-automatique, et eh bien en fait, eux aussi ils ont un point faible, qui est très facile de shooter en plus. Dégage. Maintenant, t'es où toi? Viens là. Dégage. Pas faux, Elite. Dégage. Dégage. Allez là. Oh, viens là, 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 viens là toi. Voilà, allez, c'est bon, dégage. Mais qu'est-ce que tu me veux toi? Allez, hop, pousse. Merci le tir allié, les gars. Vraiment merci. Oh, bonjour. Allez, dégagez. Ah, moi, s'il avait une carabine, ça m'aurait permis de récupérer des munitions. Dommage. Ils sont toujours aussi abrutis, ces grognards. Alors, normalement, c'est à partir d'une certaine hauteur. Je peux sauter pour passer à la suite, mais je vais pas prendre de risque. Hein. Vous me voulez quoi, vous deux? Allez, dégage. Dégage. Voilà.
Oh bonjour. Au revoir. Tombe pas toi par contre hein. Tombez pas les gars. J'ai pas envie de vous ramasser tout au fond du truc. C'est clair qu'elle marche bien ces flammes purificatrices. Allez, au revoir. J'avoue aussi, le seul avantage qu'ont les parasites par rapport aux élites, aux covenants, enfin oui, aux covenants, ou en tout cas à tout autre ennemi dans le jeu, c'est qu'ils lancent pas de grenades, eux. Manquerait plus que ça. Parce que je vous assure que s'ils en balançaient des grenades, on serait tous morts. Ah, 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 ah. Bonjour, au revoir. Bon, normalement il devrait y avoir des sentinelles qui devraient revenir. Mais pour l'instant on n'affronte que du parasite. Mauvaise peur. Ah 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 ah, bonjour messieurs. Ah, je les entends les sentinelles. Ah ça j'adore. En fait les parasites ils ont même pas besoin de lancer de grenades pour nous tuer. Oh et oh c'est bon les gars. Attends, il y a un adversaire là-haut. Ah non il est mort. Ah bah tiens, il y en a un qui est mort. Ah mince putain, mais j'attaque un cadavre à chaque fois. C'est chiant. Combien de temps penses-tu te cacher là? Ouf, pas longtemps je pense. Oh bonjour. Bonjour messieurs. Allez dégage. Oh le machin il a tellement volé. Hop, et on récupère les bastos, ça c'est bien. Ça j'adore. Là 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 là. Hop là, direct, toi tu crèves. Allez, dégage toi aussi. Mais tu vas le lâcher, oui. Ah bah voilà, c'est bon. Ah oui, et d'ailleurs, la batterie de l'épée à énergie lorsque vous attaquez des parasites se vide moins vite que si vous attaquez d'autres unités. Je sais pas, peut-être parce que les parasites sont des sortes de morts vivants. Sa race de ses morts. Je disais, donc du coup la batterie de l'épée à énergie, elle se vide beaucoup moins vite en tuant des parasites, sans doute parce que ce sont des morts vivants. Dégage. Ils sont où parce que j'en entends arriver là des parasites mais ils sont pas là. Ok d'accord, elle est juste là la sortie. Oh, il s'est fait éclater lui le grognard. Tiens, dégage. Oh non. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ah. Voilà, dégagez. Dégagez. Nice. Ah. Pas faux. C'est pas faux. Bon, c'est chiant là. Ils se ramènent les parasites là. Vas-y, tue un par un. Dégage. Dégage. Ah, les sentinelles. Sentinelles. Et si, là, dégage. Attends, vas-y, reload, tranquille. C'est bon? On a réussi? Nice! On a réussi! Allez, on y va. Oh, les parasites! Dégagez! Nous aurions dû apporter des armes pour brûler ces corps. Chacun d'eux
un autre potentiel pour le parasite. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, pas besoin. Ouais, pas besoin des needlers. Moi je joue que carabine et épée d'énergie quand je joue l'arbitre. Nice. Vous voulez quoi là, les élites hérétiques là, dégage. Be gone. Bien joué. J'avais oublié que j'avais plus de bouclier. Donc, on recommence. Attends, il y a une épée là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Petit. Bon, moi j'ai volé là. Petit, dégage. Dégage. Alors là, ici, cette partie-là, ça va être de la survie. Éliminer évidemment les gros parasites explosifs en premier. Oh, encore des hérétiques. Super. Dégage. Ah bah super, avec des parasites en... Attends, viens là. Oh, il s'est fait démonter. Oh, lui, il s'est fait démonter par le parasite juste derrière. Dégage. Merci. Au revoir. Ah, lui, il a mangé. Attention, les gars. Dégage. Voilà. Ouais, je sais. Je suis excellent. Il est où l'épée? Elle est là. Bon. Mais en fait, la chose que j'attends, c'est que la porte s'ouvre, en fait. Dégage. T'es où, toi? Dégage. Oh bah zut, j'ai tué un copain. Oh, je suppose qu'il m'en voudra pas. Viens ici, là. Viens là, hop là. Et tiens, toi aussi tu peux joindre à la fête. Allez, viens ici. Viens là. Allez, oust. T'es où, toi? Dégage. Oh, bonjour. Ils sont intelligents. Ils se mettent les uns sur les autres pour éviter que je les tue en un seul coup. Ils sont futés et dégage. Oh, dégage. Yo, le suivant là. Dégage. J'aime bien. On dirait en fait que je leur mets des petites claques. Petit. Dégage. Petit. Allez, salut. Oh, bonjour. Je m'en vais. Je vais juste chercher une autre épée à énergie, puis je suis à vous. Ah, elle est là. Hop. Voilà. J'ai été chercher des petites balles. Oh, la vache. Allez, on se casse. Allez, viens. Tu viens pas? Bon bah, good luck. Désolé, je t'abandonne un peu, hein, mais bon, c'est pas grave. Bon bah, je crois qu'il a pas envie de venir. Allez, au revoir. Bonne chance. Ah, c'était bien sympa. Putain, je suis mort beaucoup de fois là pour cette mission. C'est pour ça que j'aime bien les fantômes aussi, ils sont très efficaces contre le parasite. Un vaisseau inatteignable. Le parasite se répand dans la
station. Donc, pas de quitter le groupe pour faire face à cette invasion. Trouvez le chef des directives. Tuez-le vite. Compris, capitaine. Bye bye. Dégage. Triple headshot. Quadra kill. Allez, au revoir. Comment éliminer deux élites comme ça? Ah, des sentinelles. Il y a un sentinelle ici, dégage. Allez hop. Dégage. Viens donc là, toi. Viens donc là, allez, dégage. Quel coup terrible. Oui, je sais, mes coups sont toujours terribles. En même temps, je fais abattre la main des prophètes. Tiens, meurs. Ouais, bon, d'accord, j'avoue, ça sert à rien. Mais c'est marrant. Le mieux, c'est de faire ça avec le double Needler, il s'en prend tellement dans la tronche. Cet abri me protégera de la tempête, mais tu seras entièrement rongé. Arbiter, où est-il? C'est un pied, c'est retranché là-dedans. On ne pourra jamais y pénétrer. Nous devons donc le faire sortir. Comment? Ce câble. Je vais le couper. Que tout le monde retourne au vaisseau. Retournez à la zone d'atterrissage. L'arbiteur va monter, détacher cette station et faire sortir l'hérétique. Très bien. Prenez ma lame. Le câble n'y résistera sûrement pas. Je vous remercie, capitaine. Ouais, c'était pour la symbolique que j'ai fait ça. Alors les parasites avec l'épée d'énergie, j'avoue que c'est l'un des ennemis les plus dangereux. Parce que ça, littéralement, ça vous one shot. Dégage. Au revoir. Allez, on monte ça. Waouh, c'est beau. Alors ce que je vous conseille de faire pour atteindre directement le premier câble, c'est justement d'utiliser le camouflage. Et d'un. Wow. Vous le sentez ça que ça penche? Et de deux. Plus qu'un câble, arbiteur. Allez, et voilà. Je vais me planquer plutôt là. Attention. Wouhou! Et c'est parti pour la chute libre! C'est fait! La station est en chute libre! Allez, on y va! Alors, normalement, vous êtes censé tout redescendre là, mais hop! La vérité et la
Je suis juste venu récupérer des munitions. Toi. Tu me veux quoi, toi? Allez, où? Allez, on y va. On avance. On va pas vraiment s'acharner à les combattre. Dégage. Allez, on y va. Allez. Très bien, allez, on y va. On n'a pas de temps à perdre. Cette cinématique, petite référence au premier Halo, hein, évidemment. Allez, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on se casse. Là, notre but, ça va être de courir. Mais vraiment courir. Hop là. Écoutez-moi cette belle musique. Merde. Salut, je m'en vais. Ne cherchez pas à tuer les ennemis, hein. Ils vous font perdre plus de temps qu'autre chose. À part si évidemment vous pouvez le faire. Juste courez, courez, juste courez. Je crois qu'il y en a un qui m'a repéré, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. On se casse de là. Ah, parfait. C'est là le hangar. L'oracle. Bonjour, je suis 343 Gratis Park. Je gère l'installation 04. Demande à l'oracle ce qu'il sait sur Halo. Il nous sacrifierait pour rien. Des questions? Génial. Heureux de pouvoir vous aider. Les élites ne voient rien, Arbiter. Alors, je leur ouvrirai les cieux. D'accord. Ça, c'est une surprise. Bon, en tout cas... Oui, c'est clair, finissons-en. Bah attends, j'ai juste récupéré le... Ah, yes, yes, yes. Ah non, c'est pas ça. En fait, ce que je cherche, c'est une... Soit je prends le double Needler, soit je prends le pistolet à plasma. Avec la carabine. Yes. Bah allez, vous êtes où? Que je vous étripe. C'est toi là, c'est toi là, c'est toi le vrai. Non, toujours pas. Il est où le vrai? Il est là. Tant que je récupère ma lame, elle est où?
Ouvre les yeux. Bon, attends. Viens donc là. T'es où? Viens là. Eh ouais, hein, tu croyais quoi, hein? Je n'avais pas le choix, Saint Oracle. Il mettait le grand voyage en danger. Oracle, grand voyage? Pourquoi utilisez-vous tous ces mots qui ne veulent rien dire? C'est l'oracle. Le voilà. Venez, nous quittons ce système. Dérivons, les nacelles sont HS, je dois redémarrer tout le système. D'accord, et voyez où nous sommes. C'était un peu brusque, désolé. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Major? Pas de problème. Commandant, on a repéré quelque chose. Regardez. Cortana, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un autre halo. De quoi? C'est donc ça que mon père avait trouvé? Je croyais que Halo était une arme gigantesque. C'est le cas. S'il est activé, il peut rayer des galaxies entières de la carte. Je veux toutes les informations que vous avez sur le premier Halo. Plan. Installation. Tout. Et je me fiche de savoir si j'ai les autorisations ou pas. À vos ordres. Où est notre cible? Le vaisseau ennemi stationne au-dessus de l'anneau. Nous allons passer juste au-dessus. Parfait. Étant donné ce qu'on sait sur cet anneau, nous devons absolument capturer le prophète du regret pour apprendre pourquoi il est venu sur Terre, puis ici. Major, après la première section, on vous largue. Sécurisez la zone. Sergent, préparez deux pélicans et suivez-les de près. À vos ordres. En attendant de pouvoir me battre, je reste en retrait. Hors du vaisseau, vous devrez vous débrouiller seul. Entendu. Contact, cible, dans 5. Accrochez-vous bien. Que plus de bruit n'est pas possible. Quoique. Chef, il faut qu'on neutralise ces tourelles. Très bien, très bien. Mais bon, on fera ça au prochain épisode. Eh bien, c'est là-dessus qu'on se quitte. Bon, attendez, je vais me planquer. Eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut à tous !